Le coup d'envoi est donné. Nous espérons tous voir une belle rencontre. Difficile de dire ce qu'il va arriver pendant cette rencontre. Vous jouez le ballon, pas le joueur. Pour Figo. Lugano. Valdés. Ruben Oliveira. Très belle passe en profondeur. Mais quel coup de tête! Sur médiocre, le ballon est trop à droite. Et Roberto Carlos. Pour Figo. Ronaldo. Balle au pied, c'est toujours efficace. Il remonte le terrain. Oh, oh c'est au fond! C'est encore le début du match. Super venue de l'attaquant. Un 0, première occasion et premier but dans ce match. Diogo. Diego Pérez. On n'a pas le droit de jouer comme ça en faute. Il a la possibilité de centrer. Il décide de centrer. Et Beckham. Et Raoul. Ronaldo. Et Zidane. Beckham. Raoul. Il l'a. Zidane. Trajectoire coupée par le défenseur. Diogo. Il cherche un homme démarqué. La défense est solide. Bonne combinaison. Il faut être plus précis dans l'acte final. Il a raison de faire le pressing sur le gardien, et ça n'a pas suffi. Pour Ronaldo, Raoul. Pour Figo. Attention! Pas mal! Le danger est écarté. Quelle occasion de contre! Et Lugano. Valdés. Dario Rodriguez. Il dribble vers la gauche. Ballon aérien dans la surface. C'est un but vraiment étonnant. Ils n'ont plus d'avance. Il s'est bien démarqué. Un partout sur le même pied d'égalité. Zidane. Quelle agilité. Un but leur donnerait un nouvel avantage. Le gardien est en danger. Il sera accordé.
Celui-là est intercepté. Il reprend le ballon maintenant. Et Lugano. Raoul. Attention aux positions d'hors-jeu. Impossible de passer. Et Raoul. Que va faire le gardien? Ils échappent au danger, puis une remise en jeu. Il a dégagé. C'est bien joué, ils peuvent lancer la contre-attaque. Une belle passe, plein axe. Va-t-il frapper? Directement dans les gants du portier. Ruben Oliveira. Zalaieta. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Dégagement. Attention à cette rentrée en touche, ça peut faire mal. Diego Pérez. Erreur de la défense sur le côté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien joué. Très précis. Il y a danger. Pas mal, mais ça manque de précision. C'est très important pour un défenseur de contrer ce genre de tentative. Michel Salgado. Pour Beckham. Et Raoul. Bonne passe. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Ruben Oliveira. En profondeur, bien joué. Attention, énorme danger. Il faut atteindre la cible. Est-ce qu'il peut frapper? Le gardien maîtrise parfaitement la situation. Ronaldo. Figo. Va-t-il trouver un homme libre? Le duel est remporté, c'est bien. Zalaieta. Pablo Garcia. Ils ont toujours le ballon. Le ballon est pour l'autre équipe. Et Raoul. La balle change de propriétaire. Bien joué, ça peut faire un contre. Pablo Garcia. Zalaieta. Bonne progression dans le couloir droit. Un très beau ballon. Quel but ! Fantastique ! Il leur faut des buts pour gagner, Jean-Luc. Ouais, mais pas de raison pour eux d'être désespérés pour le moment. Il faut simplement qu'ils continuent à y croire. Dans l'espace. Long dégagement en avant. Zalaieta. Le long de la ligne. Ils font circuler le ballon couloir droit. Un ballon repassé en arrière. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Une attaque sur le côté droit en vaut-elle la peine? Ils avancent bien sur l'aile droite. Quel coup de casque! Oh, le tir rase le montant droit. Le ballon est venu de la droite comme prévu et aucun défenseur n'a fermé l'angle. Figo. Diogo. C'est la fin des 45 premières minutes. Les joueurs regagnent les vestiaires pour la pause. Thank you.
Que pouvez-vous nous dire de cette mi-temps, Jean-Luc? Un petit coup d'œil sur le tableau d'affichage. 2-1 en attendant la seconde période. La deuxième mi-temps vient de débuter. Le petit speech des entraîneurs sera-t-il suivi d'effet? Ils ont changé de côté pour cette deuxième mi-temps. Ils cherchent un homme démarqué. Zidane! Il est en jeu le ballon avec ce dégagement des points. En plein milieu de la surface de réparation. Pour Beckham. Raoul. L'attaque ne donnera rien. Beckham. Et Raoul. Zidane. C'est un bon travail défensif. Figo. Et Ronaldo. Bien vu. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Ruben Oliveira. Pour Zidane. Ronaldo. Il l'a. Oh, il bénéficie d'un bon coup franc, comment il fait? Il a le choix entre quatre partenaires. Ah, c'est bien fait avec une bonne relance. Bien vu. Et c'est un but! Les voilà au même niveau. Juste après le repos. Un véritable coup de billard avec le montant gauche. Ce but égalisateur devrait certainement avoir un impact sur le jeu, Jean-Luc. Certainement, Christian. Ça va leur redonner de l'espoir et nous pourrions voir des changements dans la suite du match. Pourra-t-il continuer? Il l'a. À ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Ronaldo. L'équipe réussit à conserver le ballon. La défense est menacée à gauche. Ouh là là, il y a des actions qu'il ne faut pas rater. Pour Zidane. Va-t-il y avoir but? La balle est sortie, 6 mètres. Ruben Oliveira. Lugano. Une néguère soutenue. Ils font circuler le ballon couloir droit. Un joli centre, bien repoussé de la tête. Et Zidane. Ronaldo. Et Beckham. Zidane. Pour Ronaldo. Bonne passe. Quelle occasion en or. Raoul. Non, il a manqué la cible. Oh, la défense se laisse déborder. Faut être plus rigoureux. Premier changement de la rencontre pour cette équipe. Il est sorti parce qu'il n'arrive pas à marquer, franchement, malgré de très très belles occasions. Ronaldo. Pour Zidane. Il dribble vers la droite. Ronaldo. C'est une action magnifique du portier. Pablo Garcia. Diogo. Diego Pérez.
pour Lugano. Beckham. Owen. La passe en profondeur est réussie. Ah, ça doit être but. Ronaldo. Quel but splendide. Ils ont de l'avance. Un véritable but d'avancée. C'est peut-être pas le plus joli but, Jean-Luc, mais il compte aussi. Oui, ils ont eu beaucoup de chance, mais ils n'ont pas sa place. Les joueurs ont l'air revigorés par ce but. Et Lugano. Il descend au centre. Et Figo. Makelele. Pour Zidane. Diego Pérez. Presque 75 minutes écoulées. Il s'échappe sur l'aile gauche. Récupération du ballon. Pablo Garcia. Il cherche maintenant du secours. Il reprend le ballon. Il n'est guère soutenu. Il fait circuler le ballon dans le couloir gauche. Il est dans la surface. C'est à quelques mètres du poteau droit. Il a choisi d'y aller tout seul, mais c'était pas la bonne décision. Ruben Oliveira. Trop loin du but. Le ballon passe loin du poteau gauche. Si ils avaient égalisé maintenant, ça aurait changé la donne du match, Jean-Luc. Absolument. Ils veulent réduire le score, mais il leur faut juste un peu de réussite devant les buts maintenant. Zidane. Bien vu. Owen. Aucune difficulté pour les goals. Ils écartent bien le jeu. Pablo Garcia. Bien défendu, le ballon est récupéré. La défense est obligée de battre en retraite. Va-t-il marquer? Il suit le rebond. Le défenseur était là, il a pu dévier. Ballon travaillé vers la cage. Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait au-dessus. Zalaieta. L'équipe reste en possession du ballon. Lugano. C'est maintenant l'occasion de contre-attaquer. C'est un ballon gagné. Ça peut se terminer au fond. Un but. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux équipes. Il reste 5 minutes à jouer. Au pied, ils peuvent continuer leur montée. Owen. Et Lugano. Zalaieta. Zidane. Pour Beckham. Owen. Bonne passe. Ronaldo, au-dessus de la barre transversale, sans danger. Il a eu raison de tenter sa chance à cette distance. Il aura plus de réussite la prochaine fois. Owen. Dans la surface de réparation. Oh là 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 là. C'est tout simplement remarquable. Ils ont maintenant une avance confortable. Durant le temps additionnel. Il était près du gardien. Un but de renard de surface.
Ils ont encaissé le but au plus mauvais moment imaginable, n'est-ce pas, Jean-Luc ? Vous avez tout à fait raison, Christian. Ils doivent jouer le tout pour le tout. Dario Rodriguez. Valdés. Bien anticipé. Il continue lui-même. Passe en profondeur, bien vu. L'arbitre met fin à la rencontre. Ils se sont bien ressaisis et empochent la victoire. Ils se sont bien comportés en rattrapant leur retard et en gagnant cette rencontre. C'est exact, Christian. Ils ont travaillé dur, ils n'ont jamais renoncé et ils ont été récompensés. Du beau boulot. Et du coup, ils ont vraiment mérité cette victoire. Et maintenant que les supporters quittent le stade, mes remerciements pour vous, Jean-Luc. Merci, Christian. À bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. Thank you.